De YouTube, on est encore sur Resident Evil Village. On va faire un truc de fou. On va finir le jeu en moins de 3 heures, sans soigner, qu'avec le couteau et sans rien acheter à la boutique. Ça va être insane. Let's go, on va courir de partout. Ça va être trop bien. C'est le moment du speedrun. Je veux pas que je passe. Did you say something? Nothing. Put her down. J'ai ramassé, oui, c'est bon, j'ai le bébé dans les bras. They're there. It's like I said to you. Quel beau bébé. That book's too scary for you. Ça nous permet de finir le live tranquillou comme ça. Ça, c'est beau, ça. Almost there, honey. J'ai tapé dans la balle avec mon pied. There you go, sweetheart. Don't you worry. I'll be right downstairs. Daddy won't let those weird fairy tale monsters. Salut, salut. Salut mon cœur, ça va bien? Ça va bien les rognons? Mon petit chat? Mon petit chat tout né? J'ai oublié qu'on était vraiment en semi-remorque tout le temps. C'est là la cuisine? Yes. Si c'est bon, je peux passer. On peut pas passer? Non, ça va les rognons. Hey Doc. À part venir me draguer là. Toutes ces cinématiques de fou. Let's go! On a le temps de parler, hein. Il va pas se passer grand chose au début. On aime la neige. Mon problème, c'est que je veux pas forcément me souvenir de d'où sont tous les objets. Surtout dans le château, ça va être un peu le bordel de se souvenir de l'ordre exact. N'hésitez pas à backsiter comme des porcs si vous vous en souvenez. Là c'est bon. J'ai le droit de backsiter comme des gros porcs. Alors peut-être. Passe bien. On n'y voit rien, c'est énorme. Par là. Ouais, ça a l'air. Hein. L'air d'être par là. Hein. Ouais, le corbeau de mort. Ouais, le corbeau. Ouais. Faut qu'on pense à sauvegarder de temps en temps au cas où on ait un crash ou un bug de son comme tout à l'heure. Alors peut-être. On est où là? Bon, la maison. J'ai cru que c'était une cinématique. Pas du tout. Un script. On va passer l'ouverture. Rien à faire de tout ça. J'aime les scripts. On aurait peut-être dû faire le couteau en village des ombres. Juste pour voir. Le même défi, mais en village des ombres. Ça aurait fait plaisir à Canard. Ils seraient tous morts, mais bon. Ça aurait fait plaisir, quoi. Salut. C'est où la sortie? C'est là.
vrai que le début c'est full script, j'ai oublié. Pas une cinématique. M'excuse. Le village des ombres, j'autorise le pistolet. Ça sert à rien. Merde, c'est par où? Par là, faut sauter. Pistolet. Déjà, il faut 15 balles en mode hardcore pour tuer un mob lambda. J'imagine même pas en village des ombres. Du coup, on a commencé à moins de 13h30. Du coup, à 16h30, max, on doit avoir terminé. Je pense qu'on aura fini avant, entre nous. Je pense qu'en 2h20, 2h30, je crois, j'avais regardé, c'est large faisable. D'ailleurs, l'icône au marteau, si tu le bats au début du jeu, t'as un trophée. Ah ouais? C'est énorme, ça. Spoiler, ça va pas arriver. Mais c'est bon à savoir. Je sais pas exactement d'où faut aller, mais je crois que c'est globalement par là. What happened? L'icône au marteau, spoiler, on le tuera pas. Hein. Le problème là, c'est que ouais, on a, je crois que c'est 5 minutes le timer, je m'étais renseigné après. Faut survivre pendant 5 minutes. Ça va être chiant. Hop là, et voilà notre arme. C'est faux, on va pas avoir ce couteau là, on va avoir le couteau beaucoup plus puissant après. Toi. Surtout, ne pas tirer au pistolet. Dès que je tire, faut recharger. Donc on va éviter. Jesus Christ. Une cinématique, ouais. Je suis obligé de le tuer. Je sais plus si je suis obligé de le tuer ou pas. C'est quand même plus simple au sabre laser, certainement. Le problème, c'est qu'il n'y a pas le sabre laser. Hein. Ah, le couteau du début, c'est galère, mais après, ça va. Ouais, tu te mets derrière lui, il comprend rien. What the hell? Putain, c'est quoi qu'il faut ramasser déjà? Ah c'est ça, je me souviens plus. C'est marrant pendant 5 minutes. Le mode mercenariste, ça a jamais été marrant dans les autres Resident Evil en vrai non plus. Ça a jamais été drôle. Bon, faudrait tester, mais non, mais en vrai, c'est pas drôle. Y'a rien de fun. C'est la mort du fun, le mode mercenariste. Yo. Ils ont innové un peu? On va peut-être tenter, je vite fait 2 secondes quoi. Pour l'humour. Pour l'humour, on pourrait tenter. Au nom de l'humour. Ouais, super. Et Jean-Michel en bas, là, normalement, à un moment. Là. Il y en a un qui rentre. Il est en haut ou en bas? Je me souviens jamais. Ah, j'ai perdu du temps parce que c'est lui là qui est censé rentrer. Vas-y, rentre. J'aurais pas dû mettre le truc. Bon, le script là, il marche ou pas? Ah voilà.
Faut le tuer lui je pense. Pour débloquer le reste. Oh le relou quoi. Alors, si je touche pas par contre... Tu peux y aller? Kingdom Hearts, Bloodborne Sleep, je suis mort 3 fois contre le premier boss du jeu avec Terra, moi qui pensais être fort. Mais tu l'as fait en quelle difficulté le jeu? T'as commencé en quelle difficulté? Mais il est pas si évident que ça, Bloodborne Sleep. Il y a des moments... Le boss de fin, il est très dur dans Bloodborne Sleep. Ok. C'est le moment du timer, on va essayer de pas mourir. Pa-pa-da. Non normal j'ai commencé à difficile mais même dès le début je devais retrouver. Ouais non mais c'est trop dur. Il est dur Bloodborne Sleep. Même les Kingdom Hearts en général ils sont assez durs. Faut un peu trop farmer pour être fort en mode difficile et tout. On va essayer de pas crever là. C'est trop compliqué les jeux vidéo hein. C'est pour ça moi j'ai arrêté d'y jouer. C'est trop dur les jeux vidéo. Faut pas jouer aux jeux vidéo, c'est trop compliqué. Mais je me souviens quoi que Bloodborne Sleep il était pas si évident même au début. Ah, venez, on va vous bait un peu là. Il y a les flèches qui commencent à arriver. On va mettre ça. J'ai pas compris si on pouvait utiliser les potions en combat, on dirait que non. Si, les potions, tu peux les utiliser en combat. Faut les mettre à des raccourcis, par contre, les potions. Mais de mémoire, tu peux les utiliser. Hein. Je crois bien. On va les bait un peu autour de la maison, là. Ah! J'ai pas vu. C'est la fin du rêve. Je suis un peu low, non? Il y a le gros qui va arriver, ça va être un problème aussi. Mais ouais, faut les mettre dans des raccourcis, surtout les potions. Sinon, t'en sors pas. Enfin, même dans les jeux d'avant, c'était compliqué. Mais du coup, t'as fini Kingdom Hearts 1 et 2? Que t'as kiffé. Kingdom Hearts 2, c'est un jeu incroyable, hein, je trouve. Vraiment. Au-delà de la nostalgie. Vraiment un jeu de fou. La nostalgie qui parle un peu quand même, je pense. Votre avis, je me fais ken à combien en passant par là? Oh, ça va. C'est facile les deux premiers boss hors secret, j'ai pas fini. Ah. Les boss secrets sont infernaux. Pendant les deux premiers, du coup, c'est Sephiroth, je crois. Les plus durs. Il y a des boss secrets plus durs dans les Final Mix. Tous les membres de l'organisation 13, là dans le 2, du coup, c'est chaud. Bon, la flèche, elle arrive, la flèche dans le genou, là. C'est pas assez scripted le jeu. Les deux, il y a un moment, mais surtout l'armure de Terra à la fin qui est horrible. Ouais, l'armure de Terra, elle est horrible. Tous les boss bonus sont assez horribles, globalement. Des patterns de fou. Kingdom Hearts 3, j'ai pas fini le DLC parce que le DLC, c'est que des combats de boss ultra durs. Et genre, j'ai dû en battre deux, quoi, en tryhardant un peu. Et j'ai eu la flemme de tryhard la suite. J'ai pas commencé par les plus simples en plus, du coup ça m'a foutu un peu la... Ça m'a mis dans la sauce. Vous savez que ça va finir un jour ou pas? Aïe, oh je vais mourir.
Je vais mourir en facile. Regardez bien. Ah non, c'est bon. Le script. L'XP, c'est chiant. Ouais, faut tuer les gens et tout. C'est dur. Hein. C'est trop compliqué. Hein. Franchement, dur. Hein. Rose is here? Oups. Pas la bonne porte. Ouais, comme dans tout RPG, faut pas mal farmer. Surtout quand tu joues en difficile. Et encore, pas tant farmer que ça dans Kingdom Hearts. Faut farmer, mais genre, y'a pire, quoi. Voilà. Hop, on va profiter, on va sauvegarder un coup, là. On va prendre la sauvegarde 1. Et on va la prendre en boucle. C'est quoi, ça? Elle est ici, déjà? On a pas besoin. T'as mis midlife Sephiroth à level 60, mais t'as eu la flemme d'XP. Un petit peu. Le problème, c'est qu'après, plus tu lui fais mal, plus il a des attaques surpuissantes. C'est un enfer. Hein. L'enfer du jeu. Oupla. Ta-ta-da-ta-da. Oupla. Ta-ta-da-ta-ta. Merde, ça va, il faut faire ça. Excusez-moi. Une tout ça. Une tout, regardez les photos. Dans les ultimas, les MP remontent pas assez vite, donc t'es foutu. Ouais, il faut les bonnes armes et tout. Y'a qu'une méta hein, pour finir. Bon, elle arrive là. Bon, elle est là. Ouais, vas-y, voir. Let's go! J'allais plus vite qu'elle. Let's go! Da-da-da-da! Da-da-da-da! Un tournevis, c'est énorme. Damn, the fire's moving fast. Mais ouais. Après, les boss de bonus de Kingdom Hearts sont faits pour être abusés. Ça tombe bien parce qu'ils le sont. Don't worry. Allez, on monte. I know. Thank you, Ethan. Oh, de rien, ça me fait plaisir. You're kind. Là, il y a énormément de cinématiques qu'on peut passer, ça fait plaisir. Don't get it. Pire boss pour toi, c'était le DLC de Nioh. Nioh que j'ai commencé là sur PS5. Mais j'ai pas enchaîné. J'avais fait genre 3-4 heures dessus, je pense. Et j'aimais bien, mais comme j'étais en plein Dark Souls et tout, ça faisait trop de jeux. Qui se ressemble un peu. Ouais, je le continue, Nioh. C'est sympa quand même. C'était quand même sympa. C'était sympa là. C'était bien sympa là. La mort, ouais, salut. Ouais, la mort les a. Ouais, les a. La mort, ouais. Il faut la tête de taureau. Là. Guess this leads to the castle. Il nous faut l'autre du coup. Là dans quel sens ça? Comme ça? J'ai une vidéo du premier boss avec ses boulets. Je faisais appel sur l'arme pendant un streamer qui l'avait retweet. Ah. Ça l'a énervé ou pas? C'est ça la vraie question. Est-ce que ça a marché? Ah oui, ah nickel ça. Ah il a pas de sang-froid aussi. Pour ça. The man is of no real use to anyone else, and my daughters do so love entertaining foreigners. Furthermore, I can assure you that you entrust the mortal to help. Hop. Les streamers qui ont pas de sang-froid, moi ça me dégoûte. Honnêtement, ça dégoûte. Hein. Oups, c'est par là.
Alors que moi, t'énerve jamais, hein. Regardez. Jamais un mot plus haut que l'autre. Je me dois aussi, ce streamer, pour casser ça ma tête sur la base de Bloodborne. Ah. C'est marrant l'énervement. Les gens qui s'énervent, j'aime bien. Non, mais faut pas s'énerver comme ça. Ça reste qu'un jeu vidéo. Merde. J'arrivais pas à voir devant quel mur j'étais. Ah, c'est marrant les gens qui s'énervent. Ouais, bah, ta première mort sur Revit, c'était là. En même temps, c'est le coup de piège, ça. Tu sais ou tu sais pas. Je crois que je suis mort 2-3 fois sur ce truc, là. J'avais pas vu. J'ai mis 2-3 fois à voir le coin, moi, ici. Hein. Canard, donc t'inquiète. C'est normal. Tu l'as fait sur quoi, Resident Evil 8? Tu l'as fait sur PS5 ou... Enfin, tu l'as fait sur console ou PC? Pas forcément sur PS5, d'ailleurs. Là, on joue sur PS5, mais... Mais tranquille, quoi. PS4? Il tournait bien sur PS4 et tout? Par là. Par là. Ok. Là. Super. Après, le jeu est beau et a l'air bien optimisé en vrai. Donc c'est cool. On peut pas en dire autant de tous les jeux. Donc c'est stylouche. Même sur PS4, s'il tourne bien, c'est stylé. Deuxième mort, c'était à Moro. Tombé 2 fois dans l'eau. Ah putain, t'es pas mort pendant un moment, quoi. Après, le jeu est pas très dur, mais mon mode hardcore, c'est juste vraiment, il y a des passages chiants, quoi. Je suis obligé d'acheter le couteau. De toute façon, il faut dépenser moins de 10 000, donc c'est ok. C'est le seul truc qu'on va acheter chez lui. On a 21 minutes de jeu, déjà. On passe si vite quand on s'amuse. Let's go le couteau. Bon bah à partir de là c'est tout droit. Hein. Oh non, on recommence pas. Non. J'ai cru qu'on pouvait passer mais pas du tout. Pas une cinématique. Moro, je suis mort plein de fois contre le boss. La semaine dernière c'était un enfer Moro. Quel enfer Moro c'était. Le vrai temps de jeu inclut pas les cinématiques. Non, il n'inclut pas les cinématiques ni les temps passés dans les menus. Donc en vrai, c'est pas si dur de faire moins de 3 heures. Merde, c'est vrai qu'il faut regarder ces trucs. C'est fini en 10 heures, il me semble. Ouais, ça va. En vrai, les 2 heures que j'ai, c'est bien 2 heures à galérer sur des boss hein, en hardcore que j'ai eu, je pense. Et puis la toute première séquence, là, la séquence de timer contre les loups-garous en hardcore au début, elle est dure. Parce que t'as rien pour te défendre et faut juste pas se faire toucher, quoi. C'est compliqué, quand même. J'ai réussi à chercher les secrets. Ouais, pareil. Du coup, j'ai eu le trophée où j'ai regardé dans toutes les pièces. Donc ouais, c'est long. Bon, la grande dame, là. Je crois qu'il y a un bait, non? La tombe de Claudia, t'as un boss ultra dur à faire. Moi, j'ai jamais pu l'ouvrir pour la tombe de Claudia. Je crois que j'ai eu un bug de script. En fait, la crypte, là où il y avait le morceau de tombe, il s'est jamais ouvert. Et du coup, j'ai jamais pu avoir l'autre morceau de tombe. Quel plaisir. Alors que normalement il s'ouvre dès que t'as fini la poupée, Benevento. J'ai regardé parce que ça me semblait bizarre. Et en fait, il s'est jamais ouvert. C'était insane. J'ai vraiment adoré ce moment. Là, il y a juste le Dug. Juste sauvegarder un coup. Ouais, Max. Ouais, il s'ouvre après la maison. En fait, il s'est jamais ouvert. Moi. La grille elle est toujours restée fermée. C'était énorme. Ça, quel plaisir. Où faut aller exactement? Je crois qu'il faut démarrer par en haut. Hein. Je crois que c'est ça. Vous me direz. Remax, Re8. Ah putain, je viens de piger. Je viens de piger la vanne.
Putain, c'est trop drôle. Non, mais c'est Micheline, elle me met pas dans le bon sens. Je viens de piger la vanne. Canard, t'es juste trop drôle en fait. Hein. La subtilité me termine quoi. Tu devrais streamer à ma place en fait. C'est toi le plus drôle ici. Moi, je sais pas ce que je fous là. Pas ses crèmes celle-ci, hein, mais clairement. Pour moi, c'est la vanne de l'année. Tout simplement en fait. Une cam, je mets une cagoule direct à ce point. Mais non mec, t'es trop beau. Arrête de faire genre. On sait tous que t'es trop stylé. T'es un canard, tout le monde aime les canards. Un carton sur la tête à la limite. Mais un masque, tu fais comme Koro. Mais non, mais tu dis ça. C'est le mec le plus BG de la Terre, tout le monde le sait. Toujours les plus BG qui se cachent. Toujours les têtes de cul comme moi qui se montrent. J'ai obligé de passer. Yo, c'est Squeezie. Vous avez vu ma vidéo sur le trait d'horreur? Aïe, au secours. Miranda. J'ai que t'es par là. Cassandra caused all this mess. Passé. Aïe. Not like this. Je m'attaque tous les 10 ans, donc c'est cool. Et voilà. Énorme. La calvitie a débuté, t'avais 15 ans, True Story, et c'est pas grave. Très beau chauve, hein. N'hésitez pas à aller voir Enayar, vous verrez, c'est un très très beau chauve, Enayar. Le chauve d'une vie, c'est quoi ça? Je m'en fous. Il semblait qu'il y avait un truc essentiel, mais pas du tout ici, en fait. Deux crochets, mais ça sert à rien. C'est quoi qu'il me faut? Ici. Je me souviens plus. On est d'accord qu'il faut que je récupère un truc ici, mais je sais plus quoi. Il y a une bouteille, ouais, je crois. Hein. Mais je sais plus où elle est. Elle est dans le coffret, là-haut. Peut-être en cuisine, la bouteille, non? Je me souviens plus. Pas ça? Là, on a perdu 30 secondes, là. C'est foutu pour le World Record. On est dead. Un peu de sang de vierge, un petit peu de sang de vierge, là. 600 de vierge, là. 600 Guise Virginis, là. Et ça donne quoi, déjà? Je me souviens plus. Vous avez ça, je m'en fous, on s'en fout, on s'en fout. Ah, la clé de la cour. Effectivement, c'est bon, je remember où faut aller. I do remember. Da 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 da, September. Salut. Regardez le zéro respect que j'ai pour cette personne. Il semble qu'elle vient pas ici en plus. Ça va passer. On a combien de temps de jeu? 28 minutes. De toute façon, on passe une heure dans le château là, sur toi. Il y a un trophée pour exploser toutes les fenêtres. Ah ouais? Il y a vraiment des trophées pour tout et n'importe quoi, hein, c'est abusé.
Oh, attendez, je vais plus me souvenir de l'énigme. Oh, l'énigme, ça va être un enfer, je m'en souviens plus. Je crois qu'il faut qu'elles se regardent, toutes les deux. Toi, tu regardes par là, non? C'est ça. Juste trop fort au jeu, en fait. Femme se regarde, les paysans regardent le cheval. Je vais mettre la femme. Exactement. Exactement. Hop là. Les égouts. Au secours. Par là. Oh non! Full camp. On les two-shot, c'est bien ça. Dégage! Tiens! Ça prendra. Ta-ta-ta-ta-ta. Sur une petite sauvegarde. Pour la peine. Y'a rien là à récupérer, on est d'accord. Hein. Juste de la thune et des trucs nuls. Pa-pa-la-la-la-la-la. Cinématique. Mais pas encore. Cinématique là. Let's go. Passe par la fenêtre, elle est où? La fenêtre ouverte. Non, on passe par la porte. Une tout clé. Tout là. C'est verrouillé depuis l'autre côté, mais j'ai la clé. Ah si, j'ai la clé de là. Into grosse dame. Go ahead, do your worst. On est où là? Quoi ce passage déjà? Ah oui, c'est vrai qu'on... Ouais, c'est bon, je me souviens. Faut aller où? Au secours? Faut aller où? Là. Into, pas de bras, pas de chocolat. J'ai vu cette salle quand j'ai fait le jeu, du coup je connais pas cette salle. Putain, le mec il a pas visité toutes les salles du jeu quoi. Ouais, il dégoûte. Ouais, y'a rien d'intéressant dedans. Mais bon, quand même quoi. T'es fort. Je me souviens plus exactement. Le château, c'est la seule zone où c'est pas tout droit quoi. C'est une zone un peu labyrinthique, donc je me souviens plus exactement tout ce qu'il y a à faire. Donc il y a moyen qu'on galère. C'est la seule salle que t'as loupée, avec plusieurs autres dans l'usine, ouais, d'accord. La seule salle que j'ai loupée avant toutes les autres, quoi. Allez où? Plutôt à gauche ou à droite? Votre avis m'intéresse. J'ai l'impression que je les bait. Elle est jamais arrivée à temps. Un peu plus vite, s'il te plaît. Elle arrive quand même. Et la première. Une cinématique. Comme quoi, en ligne droite, le jeu il va vite. Elle peut pas rentrer où il y a l'ascenseur de toute façon. Non, elle peut pas. Mais juste dans le couloir, par contre, elle peut. Avant l'ascenseur. Pas une cinématique du tout. Hein. Tu le fais avec le mode hardcore? Pas du tout, non. Là, on est en mode facile. Le but, c'est de finir le jeu en moins de 3 heures. Sans se soigner. Et que avec le couteau écho. Pour un trophée, succès. Et aussi parce que ça fait un défi marrant pour finir les lives Resident Evil 8. Donc, c'est cool. D'accord, je peux pas ouvrir ça. Je sais pas s'il faut que j'aille ici tout de suite, je me souviens pas.
Oui, parce qu'il y a le piano. Mais le piano, il faut pas un truc. Les boss au couteau, ouais, tous les boss au couteau. Hein. Jamais utiliser une arme, que le couteau. Et le choix de l'ordre. Ouais, mais je me souviens pas exactement. Ah oui, c'est vrai. Non. Yes, tac, tac. Pour tuer les deux sœurs, ouais, pour toutes les sœurs, il y a le choix de l'ordre. Stylé. Et juste la dernière, il faut que j'utilise une bombe, je crois. Pour ouvrir un mur, mais... Je pense que c'est ok. Voir, attendez, en fait, si on regarde dans le défi, là, prise de tête, vous avez complété les défis suivants. D'accord. Attendez, il est où le défi ? Pas où il est. Faut le retrouver. Il y a trop de défis chiants. Mettre du haut couteau. Finir l'histoire en utilisant que des armes de mêlée, voilà. La partie à bord du véhicule de combat donc contre Heisenberg, évidemment, elle compte pas. La phase finale contre Miranda, évidemment, ne compte pas non plus. Donc ouais. Faut que ça reste à zéro dans le mettre du haut couteau. Ils donnent la bombe dans la salle, ils en donnent même deux, il me semble. Ouais, mais est-ce qu'on a le droit de les utiliser? Ça, j'ai pas vérifié. Dans le doute, on va dire que oui. C'est quoi, là, que je viens de récupérer? C'est la clé en fer forgé. Je peux ouvrir ça, du coup. Salut. There you are. Elle est derrière, là, faut se dépêcher. Merci à toi. So you finally came. Ouais. So mean. I don't want to die. Énorme. Salut. I'm sick of bugs. Déjà. Bah évidemment. On est en mode facile, on a un couteau qui fait beaucoup de dégâts. Ah vous avez vu, quand on est pas hardcore, ça va plus vite. Hein. Oh, on est là, dans la maison. Oh, je savais pas. Est-ce qu'on a besoin de faire sonner les cloches ici? Ça sert à rien de faire sonner les cloches. On est d'accord? Ça donne pas un masque ou un truc important pour avancer dans l'histoire? Je me souviens plus. Si j'utilise les cloches, enfin, si je fais sonner les cloches, j'utilise une arme. Donc ça doit pas être bon. Parce que les deux derniers masques, il y en a un qui est dans le toit là avec Miranda. Enfin, il y en a un qui est sur le toit. Il y en a un qui est en bas. Il me semble que ça sert à rien de faire sonner les cloches. Ça ouvre une porte. En fait, ça ouvre une porte là. J'aimerais sauvegarder avant, en fait. Je me souviens plus. Ça sert à quelque chose ou pas. Voilà, vous offrez un passage pour le toit et le masque d'ange qu'il cache. Ok, on est obligé. Ça me va. Allez, regardez. On l'a tué avant, du coup, il y a cette scène qui se joue. Entre Cassandra et la grosse dame. Ouais, donc on est bien obligé. Les cloches, elles sont où du coup déjà? Il y en a une là. De toute façon, on est obligé, hein. Si je fais ça, du coup le défi, ça l'a invalidé ou pas? Il est où le maître du haut couteau là? On est toujours à zéro, c'est bon, on a le droit.
On a tout eu là. Je revérifie quand même parce que je suis Ouvre-toi. Ok, il était pas là le passage au toit, je me souvenais plus. Énorme. En fait, il va très vite le château à finir. Je me souvenais pas que ça allait aussi vite. Et merci Canard du coup pour l'info. Tu viens de me save en fait quoi. Juste tu m'as save. Regardez bien comment on récupère pas tout ça. On se fout de tout dans cette run. Rien à foutre. J'en ai rien à faire. Je veux que les objets clés. On redescendra par là. Rip le snipe. Si seulement on avait le droit au snipe. Rip les ghouls hein, aussi là. On va se faire poursuivre par la moitié de la map. L'avantage des ghouls, c'est que si tu restes en mouvement, elles t'ont jamais. Même s'il y en a 15 qui te courent après, c'est ok. Ça, quel plaisir. Le sniper qui nous aura carry hein, la run précédente. Avant qu'on ait le snipe, le pompe ultra pété. Ça faisait bien plaisir. Papa la papa. Ok. Au secours. Vite. L'enfer des ghouls. Elles font un bruit. Il y en a une en bas qui m'attend, c'est énorme. Calme-toi. Calme-toi. Allez, salut. Y'a pas une seule qui m'a touché. Ça fait plaisir. Ok, là y'a la grosse dame. On se souvient. Do you remember? I remember very well. I remember very Sarwell. Stupid man thing! You won't live long, even merde. If you run. Ah ouais, mais tu m'as pas laissé passer aussi. Attends. Non mais dégage. Voilà, merci. Tire au pistolet, compte pas si tu juges personne. Ouais, ça doit être ça, mon avis. Faut toucher personne. Mais du coup, là, sur Cassandra, comment ça va se passer? Attendez. Faut qu'on save. Salut la grande dame. Dans le doute, on va save, comme ça au moins on n'aura pas de soucis. Salut. Attendez, il est où le dernier masque? Il est en haut. Casse le mur à tous les coups. Ah, il faut casser le mur de toute façon pour la tuer. On est obligé de la tuer? Je crois que oui, hein. Je crois qu'on est obligé de la tuer pour sortir parce que la porte est bloquée sinon. Quoi? Avec les Dimitrescu, c'est pas l'autre. Alors on est obligé de la tuer. You're going to die here. Y'a pas le choix. Hein. Chicage. Ouais, toujours bien. Allez, tu dead. Tu dead ça, chacal. Aïe. Elle est où? C'est bon, elle est dead. Faut pas la toucher avec les grenades dans la logique, par contre. Évidemment, comme elle est considérée comme immortelle avant que tu brises le truc, je pense que c'est ok. On a tous les masques, on est d'accord? Ouais. On va mettre le masque de... Il est où le masque de cerf?
Mais faut l'examiner. I remember ça. Tac, je vais répéter ça. Ok. Allez. Ok. I should be able to get out. Parfait. J'ai fin du château rapide, ouais. Moins d'une heure, fin du château. Bon, faut combattre la grande dame. Salut. Ah non, elle veut pas me laisser passer. Ah, c'est chiant ça. Putain, elle est relou, hein. Je me suis un peu fait prendre. Mais ça, on prend limite 10 minutes. C'est ça. Tout le château, 10 minutes. En vrai, rentable, hein. Bon, alors là, par contre, je me souviens plus de l'ordre. Donc, on va être dans la merde. Messe du plaisir ? Pas du tout. Messe de la colère ? Messe de la joie ? Et le dernier. Franchement, les chances que ce soit le dernier. Masse du chagrin ? J'ai jamais douté. On va regarder les formes. Ça va être celle-là. Putain, à chaque fois c'est pas le bon, c'est abusé. J'avais qu'une chance sur deux, quoi. Sauvegarde, on sait jamais. On a combien de temps de jeu ? 42 minutes, pas mal. Boss en moins d'une heure. Et après, tout le reste, ça va extrêmement vite à faire, hein, en vrai, en ligne droite. Le jeu en ligne droite est très court, au final. Comme on peut le voir. Les 3 heures, c'est large, je pense. Vraiment. Donc le château, c'est la plus grande partie du jeu. On peut pas passer ça. Bon, le problème, c'est le boss, là, au couteau. Ça va pas être marrant, mais... Allez, je bois un coup. Hein. A tout ruiné, passé. Bon là y'a pas le choix. On est obligé de se faire graille. Allez, let's go. Charge ou il vole là, je sais plus. T'as quel plaisir. Je suis bloqué. J'étais bloqué. Au secours. Mal ce couteau en vrai. Bon, tu peux voler un peu là. Un peu dur et Milan quand même. On a le temps de lui mettre 4-5 coups entre chaque vol. Ah, j'ai tout loupé. Ok, c'est bon, on le vole. On se cache. On attend. Quel boss de fou.
Elle est où? Elle charge directos ou pas? Pas vraiment, mais... Arrête! Oh, je l'ai pas touché, c'était énorme ça. C'est vraiment bien ça, de lui avoir mis zéro coup. J'ai plutôt aimé. C'est élevé. Putain, mais on lui met zéro coup, c'est abusé. Run. Retour de Jean-Mich. C'est le scripted. Faut grimper. Ah, ça se passe plutôt bien. Hein. Et ramène-toi, Micheline. Ouais, énorme, c'est beau ce que tu fais. GG à nous. You're the one who's cursed. Oups. Une cinématique. Compliqué de savoir ce qui est cinématique ou pas. Hein. Looks like I'm getting out of this place. Combien de temps du coup? 48 minutes. What the fuck avec un couteau? Un petit peu David hein. Un petit peu, hein. T'as battu le premier boss en mode facile. Alors, ragez pas, vous ragez. Je vous vois rager, hein. Ah, je vous vois rager alors que c'était ultra dur. Avec un couteau, quand même. Ah, le mieux, c'est avec Moro. Moro au couteau, vraiment, on va passer un bon moment. Moro au couteau, l'enfer. Allez, Miranda, arrête. Faut plus revenir en arrière, évidemment. Quoi ça? La clé, elle est. Let's go! La clé, elle est. Ah, il y a tout le passage au village aussi, c'est pareil. Je me souviens plus de l'ordre des éléments à récupérer. Donc ça va être un peu un enfer. Pas une cinématique. Au secours, ouvre la porte. Laisse-moi passer. Juste aller dans la maison à cheminée rouge. Oui, c'est ça. Ah oui, on passe par derrière et tout avec le cri. Ok, c'est bon, je me souviens. Parce qu'en fait, j'avais tellement visité le village et récupéré tous les collectifs possibles et imaginables que je me souvenais plus du chemin exact. Toujours pas de cinématique. Ça va pas être intéressant speedrunner le jeu quand même. Quand même un peu du tout droit quoi. Le duc, salut. Là c'est une cinématique, c'est sûr. There you are. I had a feeling you would... Ok, maison la cheminée rouge. On va faire une sauvegarde non. Au cas où quand même. Merde. Et elle est... On n'est pas bien en santé hein. Mais bon, on est increvable. Hein. C'est tout.
Let's go. Hein. Sauvegarder. Pour les faibles, sauvegarder. Hein. On est d'accord. Comment on va dans la maison, la cheminée rouge? C'est par là. Traverser la maison. J'essaie de me souvenir. Faut traverser la maison. Faut aller là. Là, là, là. 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 Faut passer par ici, c'est ça? Un truc du genre. Et voilà, faut pousser ça. Ce jeu ne crache jamais. Ça va, le jeu a pas trop craché. On n'est pas sur Eternal. On n'est pas sur le crash. Le crash de fou. Bah là, j'ai pas le temps. Hein. C'est quoi déjà? 07-04-08. Je vais me faire aggro. Pas ça? C'est 07-04-08. Oh le relou là. Désolé. Et pas Crash Bandicoot ni sur Ark. Pas le Screamer. Je suis allé trop vite pour le Screamer, les gars. Pourquoi tout ça d'ailleurs? Je pense que c'est pas utile ici, c'est le cri pour le tracteur. Ça, je me souvenais. Obligé. Il faut le cri. Ah, c'est là-dessous. Tac. Obligado. Passage obligé. Salut à tous, c'est Squeezie. Clé en fer forgé, très vite. Quand je dis très vite, je veux dire très vite. Merci à tous. Échelle. T'inquiète, canard, y a pas de soucis de toute façon. On est tous là pour apprendre ensemble. Bap, hop, hop. Salut. C'est verrouillé de l'autre côté. Par où on rentre déjà? Par le côté, non, y a un truc, c'est ça? Par le toit. En fait. Voilà. Normalement, lui, on l'aggro jamais. Déjà, on fait ça, faut le dire. Allez. La clé, on l'examine. Ta-ta-la. Ah si, il m'a vu quand même. On s'en fout. Parfait. Beneviento maintenant. Salut. Assez. Énorme. Fermé. Passe-moi ça. Et bien d'accord qu'au niveau du défi, on fait un petit check rapide quand même, histoire de dire que j'ai pas fait de la merde à un moment. Mais non, on est bien. Sauvegarde. Level la poupée. Let's go. De toute façon, Heisenberg, c'est le meilleur perso du jeu, mieux qu'Ethan, clairement. Heisenberg, c'est pareil, voilà, il a un design trop cool, le base, le perso, il fait un peu magnéto et tout, trop stylé, mais quand tu le bats, il se transforme en masse difforme, dégueulasse, et il est nul. C'est un peu dommage. Après, les boss des Resident Evil, bon, voilà, quoi. Surtout du 7 et du 8, bon, voilà. La vue FPS, je sais pas trop quoi en penser dans Resident Evil. Y'a moins qu'il soit pas mort, en vrai, peut-être qu'il reviendra. Bon, on l'a quand même bien dégommé, quoi. Donc, bon. Peut-être pas. Hein. Je suis passé à côté d'un gibier d'ailleurs, un morceau de gibier que j'ai jamais eu. Oh non. Ça doit être un oiseau, je crois. Je vais regarder vite fait aussi. Je pouvais plus l'avoir. C'est un mur qui a pris des coups, pas lui en soi. Ouais, je sais pas trop. Je sais pas trop. J'ai l'impression qu'on joue sur les mots un peu en disant ça, non? A priori, le mode photo, tu peux voir qui se trouve à côté de la voiture de ta fille, à la fin. Ah bon? C'est Ethan.
qui revient sur sa tombe. Ou Chris. On peut utiliser le mode photo en pleine cinématique ? Ça me paraît bizarre quand même. Et a priori c'est Ethan, ouais. Je m'étonnerais pas. Hein. Je sais pas si c'est fake. Est-ce qu'on peut vraiment voir ça, en déduire ça avec le mode photo ? Ça me paraît bizarre que tu puisses autant zoomer sur la cinématique avec le mode photo. Je pense que Ethan est vraiment pas mort et qu'il reviendra si jamais ils font une vraie suite à Resident Evil 8. Une suite de l'arc Ethan, là. Ce qu'il devrait faire, parce qu'en général, les Resident Evil, ça marche en trilogie. Au niveau de la forme. Donc je pense que le 9, ça sera toujours avec Ethan, la famille, là. La famille chelou. De toute façon, entre... Le 7, il est sorti en 2017, celui-là en 2021. Donc on va se dire 4 ans avant le prochain Resident Evil. Il y aura certainement le remake du 4, entre-temps. Et peut-être un fake, Ethan qui revient. Ça serait pas étonnant, quoi. Ah si, c'est l'histoire du père. Je pense que ça montre que c'est sa fin à lui. Je pense, ouais, aussi. C'est pas faux. C'est un bon indice pour dire que c'était sa fin. Ça peut aider. Un indice chez vous. Je sais jamais si c'est une cinématique ou pas dans ce jeu. C'est le bait absolu à chaque fois. Il faut faire le tour de la maison, quoi. Rose, Sherry et Jack, tous trois un peu contaminés, super humains. Et ouais, là, ça devient un jeu ultra bourrin, et pas ouf. Mais je pense que vraiment, ça sera toujours un FPS dans l'ambiance du... Même si c'est d'autres persos, ça sera toujours un FPS dans l'ambiance du 7 et du 8. Bah, le 1, 2, 3, ils sont à peu près pareils. Le 4, 5, 6, ils ont la même forme. Même si radicalement différent, ils ont la même game... Enfin, ils ont la même base de gameplay. Je pense que 7, 8, 9, le 9, je le vois bien pareil aussi. Mais avant, remaster du 4. Remake du 4. Pas remaster, remake. Hein. Comme le 2 et le 3. Vrai remake du 4. Tout à fait. Ça sera marrant. Le 4, c'est mon préféré. Je suis pas sûr qu'il ait besoin d'un remake, mais bon. Écoutez, on fera avec. Hein. On verra ce que ça donne. Et là, petite poupée. Ah, mec, elle cache les muettes, le pied. Mais en vrai, elle est pas si relou que ça, Ashley, dans le 4. What? Elle est pas si relou. Where's my gun? Au moins, on est sûr qu'on pourra pas shooter avec le gun, on a plus rien. Y a un truc dans sa jambe. Ok. L'autre clé, elle est où? Elle est pas dans sa bouche. Non, c'est juste le truc qui est là. Non, non, mort. C'est mort, je le veux pas. Oui, bah c'est bon, j'ai compris. Enlève. C'est dans le bras de l'autre côté? Mais non, mais dans le bras de ce côté, c'est pas juste les symboles. On s'en fout du bras de ce côté, non? Je connais le symbole du bras de l'autre côté. Un enfer. Si c'est juste le symbole, on s'en fout. Ah, il y a l'alliance, il faut l'alliance, par contre. Il y a une autre clé dans son bras. Enfin, quelque part, là. Pas le bras de ce côté. L'œil gauche, on s'en fout. La photo, là, on s'en fout. Il y a une autre clé, je sais. Ah, mais si, elle est dans l'épaule. Effectivement. Pas le bras. Putain, la perte de temps, quoi. Bon, va falloir la tirer, par contre, à un moment, voilà. Ok, une arme. Un argent. Ça
Tac. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. La bague. On peut pas passer. C'est énorme, on peut pas passer en fait. Ok. Ça sert à quoi l'alliance déjà, je me souviens plus. Ah oui, 5, 29, 11. Pour sortir d'ici, c'est vrai. Si j'avais retenu le code, j'aurais pas eu à faire ça. Je me souvenais plus du code, c'est pas grave. On a perdu 30 secondes sur le speedrun. J'avoue, je suis un joueur infâme. Let's go! La clé mécanique, gros, fais un effort. Du coup. Où est toi? Où est toi? Toi et toi. Non, c'est toi et toi. Toi et toi. Voilà. C'est bon. L'enfer. Allez. Oh le jeu. La pincette. Génial, le 4 qui se déclenche. Pas quel plaisir. La bouche. Ouvre. La pincette. Le film. Let's go. Ta-da-da. On est toujours un champignon, hein. Ça fait plaisir. On adore être un champignon. Ah, ça, ça. Ah, je me souviens plus, remarque, du truc. Attendez. Meilleur ami, cette histoire compte le plus pour nous. Preuve de l'amour éternel l'an dernier. Meilleur ami. Histoire, ce qui compte le plus pour nous, preuve d'amour. Trop fort. On peut pas passer ce film de mort. Oh! Je me souviens plus des codes là, on va pas assez vite. Comme quoi, il est trop facile ce jeu en vrai. Pourquoi on voyait le barreau à travers la pierre dans le film? Je sais pas. Que des trucs comme ça, on saura jamais. Let's go. Done. J'ai bugué sur le ciseau. Je suis pas obligé de répondre. Hein. Ah! J'avais pas vu ça la première fois. Une porte à débloquer et le bobo pour gagner du temps. Pas se cacher contre le bébé. Mais elle est débloquée. C'est bon. On a tout fait comme il faut là. C'est ok, je crois. Médaillon avec tout. Énorme. De mémoire. C'est celui-là. C'est ça. T'inquiète, canard. On connaît le chat, on connaît les infos de chat, ne t'en fais pas. Tu as le droit à l'erreur comme tout le monde. Tout le monde est humain. Ok ? Sache-le.
On vient de faire en 1 heure ce qu'on a fait en 45 VOD. À la fin, il suffit de mettre le fusible et d'atteindre l'ascenseur pour monter. Pour direct entrer dedans malgré le bébé. Je crois qu'il y a quand même un temps où il faut faire... Je crois que ça passe pas. Il faut quand même faire un tour de bureau, vitef. Parce qu'il y a un délai quand même. Me semble-t-il. Jusque là, toutes tes infos étaient vraies. Oh. En speedrun, ils font 100, vraiment? Ah mais faut appuyer très vite sur l'ascenseur, du coup. Je suis pas sûr d'être capable de faire ça. Moi, je veux bien tenter, mais si je meurs... Si je meurs, pampan cucu, hein. Je vais sauvegarder, là. Des fois que le bébé, il nous fasse une bébé, là. Tu gagnes quand même 20 secondes. Ouais, tu gagnes large, grave du temps. Mais on speedrunnera jamais vraiment ce jeu. Hein. Parce que c'est pas intéressant à speedrunner, en vrai. Salut, bébé. Allez, viens. Petit bébé. Petit bébé. Petit bébé, petit bébé. Ah, clé du tableau électrique. Let's gong. Mais du coup, il est là. Il est derrière moi ou devant? Mais du coup, il est là. Je m'attendais pas à ça. C'est une première, ça. La perte de temps sèche. Allez, dégage. On allait trop vite pour le jeu. J'aurais pu tracer de l'autre côté, ouais, mais je savais pas. Jamais été aussi vite, en fait. Du coup, let's gong. C'est pareil, il faut pas qu'on oublie de se cacher. On va se cacher sous le lit, comme ça on pourra directement dévier. La lampe, je vois rien, merci. C'est vrai que si on avait refait le tour dans le même sens... Ouais, je sais pas si on serait arrivé à temps en vrai. Yo! Je sais pas s'il y a moyen de le bypass vraiment en speedrun, je pense pas. Le plaisir! Faites des enfants! Largement le temps avant que le bébé arrive. Ah, tu veux dire avant? Il vient de l'autre côté là, du lien. Ah, super. Change rien, t'es génial. T'es un super bébé, mec. J'aimerais sortir. Pourquoi je suis toujours en. Voilà, bloqué. Merci. C'est quoi que j'ai récupéré déjà, le fusible? Je me souvenais plus. Je tente la strat de canard. On voit si je me fais bouffer ou pas. Comment on peut sauvegarder juste avant. La strat canard. La strat canard du fusible. Faut pas douter, hein.
J'ai oublié d'appuyer. Ouais, mais c'est large en fait. Effectivement. J'aurais pas dû douter. C'est méga large. En fait, je pensais qu'il fallait appuyer sur le bouton avant et je me suis dit, du coup, ça dépendait de la fonction si t'appuies rapidement sur le bouton ou pas. Mais en fait, non, c'est juste méga large. Oh, le strat canard là. Oh, la force de canard quoi. La puissance de canard. C'est un peu slogan canard WC, mais c'est vrai. Franchement, je remettrai plus jamais en doute ce que tu dis. C'est faux. Toujours. Ah, c'était une bonne info de chat. Ça va passer. Petit coup dans la tempe là. La terre est plate et les éléphants peuvent voler. Mec, je le savais déjà. Tu m'apprends rien en fait. J'ai jamais vu Dumbo. Franchement, toutes les photos de Thomas Pesquet, elle a trafiqué par ordinateur. Moi, ça me dégoûte. Hein. C'est tout ce que. Puisque la terre, ça ressemble pas à ça. Elle est pas là! Ah, c'est marrant ça! Elle peut changer d'endroit! Ok, je sais pas où elle est. Bah, yes. Gros plaisir. Ah, trop marrant! Je sais pas où elle est du coup. Elle est bien dans cette salle là, mais où? Allez là. Table cuisine, en bas au niveau de la porte bloquée. Tu l'as vu la deuxième fois? Non, elle a vraiment plusieurs endroits. Elle est vraiment dans cette salle, ok, c'était cool. Elle est pas du tout dans la table de la cuisine. Hein. Vous êtes tous des nullos, hein. Bon, soit elle est là, ouais, c'est bon, elle est là. Soit elle est là, soit elle est vers l'ascenseur à la fin. Énorme. Ça conduit de l'eau plate, j'avais pas vu. Campagne cinématique. T'as combien d'heures de jeu? 1h11. Ah. Cinématique? Cinématique. Let's gong. Ok, temps d'aller voir Moro. So that's who's behind all this. That makes two. Laisse-moi partir. Laisse-moi partir le jeu. C'est bon. La magie me fait me TP au niveau de la porte d'entrée. Ouais, non mais ça vous savez. Hein. C'est le jeu vidéo. Hein. C'est bon, j'ai remis armes de fou. Mourra. Excellent, j'adore l'humour. J'adore l'humour. Petite vérification. Ça fait plaisir. Mettre du au couteau, toujours à zéro. Parfait. Ah! Ah! Aïe! Bon, écoutez, on a fait le plus gros du jeu. Hein. Faudrait que je ramasse des munitions de pistolet. Parce que là, contre Moro, il faut tirer 2-3 balles. De mémoire pour genre faire tomber les briques et tout là. Pas des munitions de pistolet là-dedans. Mais quel dommage. Au boss de fin, il faut lui tirer dessus. Non mais c'est des trucs scriptés. Donc c'est ok. C'est marqué dans le défi. C'est marqué dans le défi que c'est ok, c'est bon. Le jeu m'en voudra pas. Je crois, j'espère. Non, on est dans le caca. C'est marrant de bourrer le jeu quand même.
Et il y a chemin à gauche pour aller plus vite normalement. Ouais, voilà. Ah mais tu lui tires dessus avec une arme. Je sais pas si le pistolet passe. Juste, c'est ok. C'est marrant ça, regardez. C'est trop drôle ça, parce que tu peux pas passer et le gars il t'arrache. J'adore ce passage. Bon, je pense que c'est fait pour, hein. Vous allez voir, ça va être énorme. Je dois passer. Faut faire le jeu rapidement, ouais, parce que j'avais mal compris, Max. Je croyais qu'il y avait des zones d'ombre. Après, c'est peut-être moi, mais moi, il y a 2-3 trucs que j'ai pas compris. Donc, je trouve qu'il fallait le refaire vite, quoi. Je pense que quand tu le fais plus vite, tu comprends plus de trucs. Il meurt si on fait ça, vite. Il me déteste. Oh, on l'a tué. Je voulais tester pour voir. On peut le tuer. Je savais pas s'il fallait le tuer ou l'esquiver, moi non plus. Mais du coup, voilà, problème résolu. Hein. Arrête de vous dire, problème solve, hein. Par là. On va se faire bait par la porte. Moro, ça va être un problème au niveau boss. Je sais pas s'il est chiant au couteau ou pas. Quatre coups de couteau normal pour casser la morve. Ouais, mais là, on est plus ça. Hein. Vous avez vu, en facile quand même. Ça va, en trace. Couteau d'un animal rare, bon, je m'en fous. Je croyais que c'était à droite la sortie, mais c'est pas là. Bon, pour qui le jeu là? Ascenseur! J'ai grave envie de faire pipi, mais je peux pas. Je pense avant 16h, on a fini. Dans 10 minutes, on a fini Moro. Oh, ma télé va s'éteindre, au secours. C'est bon, elle s'éteint plus. Hop. Je voulais faire ce défi tout de suite parce que je me souviens assez bien du jeu. Pour ne pas avoir... tout me retaper plus tard. Ah oui, c'est vrai qu'il nous faut les clés de mort là, pour le bateau. J'ai oublié ce détail. Avec tous les loups chiants là. Où les loups chiants? Je sais que c'est par là, mais je sais plus où. Ah, c'est par là? On peut monter là? Par où qu'on monte? Par là. Donc on part au speedrun, t'as la moitié du jeu. Ouais, c'est ça, il reste un peu plus d'une heure. Bah. Descends? Ah non, faut faire ça. Dernière partie, un peu scriptée et longue, c'est pour ça. C'est vrai, les clés du bateau ? Ouais. Salut les amis. C'est pas un jeu très intéressant à speedrunner, hein. C'est toujours tout droit, t'appuies sur une touche de temps en temps. C'est pas Demon's Souls quoi. Sur Demon's Souls on se marre. Parce que je tombe dans des trous et y a de la RNG. Là, un peu chier quand même. Hein. Voilà le bateau, il est là.
Ouh, Chris, on a rien à foutre du remède, les gens sont malades, tuez-les un petit peu. Hein. Bon, Chris, il est pas dans le mood, quoi. Faut pas trop le faire chier. Oh, les Wanna Become Famous, là, qui sont venus d'un coup. Attendez, je vous vire à la prochaine cinématique, là, qui va être par là. Déjà, là, il y a Moro, énorme. On t'adore, mec. Change rien. Saban et Saban. Énorme. Là, on aurait pu aller là-bas, il y avait des poissons à choper à la base. J'ai oublié d'y aller dans le jeu de base. J'avais regardé aussi. Voir où trouver les derniers poissons. Et finalement, on les a pas eu quoi. Ça dégoûte. C'est pas une cinématique. L'enfer! Un jour, on fera la différence entre cinématique et non cinématique, mais pas aujourd'hui. What am I supposed to do? Faut monter. Faut monter. Oui, si, faut monter. Hit save, Vitoff. Hit save, Vitoff, là. Cinématique, c'est quand Moro sort de l'eau. Un peu, ouais. Non, c'est bon, il y a rien d'autre à faire. Je peux directement aller au... Ouais, si, je pense que oui. Petit Moro, là. Moro. Sors de l'eau. Je pense qu'on est obligé de péter ça pour avancer. Bonne cinématique, c'est énorme. Pour pas une cinématique. Sérieusement? Il y a des munitions de pistolet quelque part là. Voilà. Je me déteste toujours. Aïe. Toujours plus vite que de prendre l'échelle. Ok, un moment de fou, un moment de gaming de fou maintenant. Ah voilà. De là, on peut pas l'avoir. Allez, l'autre côté d'abord. Eh non. Checkage Vitouf. On est nickel. T'as pas mis le truc? Ah ouais. C'est là-bas. On pouvait pas l'autre côté d'abord. Hein. Il est où? Il est pas là, on s'en fout. Pouette, 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 pouette. Let's go! Côté, je faisais sans monter sur le toit, mais au début de la salle. Ah, ok. Je savais pas. Bon, je le faisais comme j'ai fait le jeu, en fait, au final. Du coup, bon, voilà, quoi. Des approximations, mais écoutez, on fait avec. On s'en fout. Du coup, bleu, jaune, on va tout faire. Bon. Je suis certain qu'il faut tous taper. On refait un coup de bleu. Je me suis loupé parce qu'il fallait faire le jaune. Vite. C'est bon. Tout va bien.
tout est sous contrôle. J'étais trop vite pour le jeu. La première fois qu'on voit cette mort. Oh, c'est bon, on démarre de là, c'est ok. Il y a peut-être un défi pour faire le jeu sans mourir et on pourra recommencer. La dernière save. On va pas être cette personne-là. Y'a rien là. Allez, let's go! C'est parti, les kiki! Pam 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 pam. Bateau. Pas une cinématique. Hashtag pas une cinématique. Je lance le hashtag pas une cinématique tout de suite. Hashtag gros débilos, c'est pas une cinématique. Qu'est-ce que tu fais? Voilà. Action pas cinématique. Hashtag cinématique en danger. Not my cinématique. Elle est où là? Elle est là. Elle utilise la manivelle du coup, fait un effort. Non. Pourquoi il veut pas? Il est con. Il veut pas utiliser la manivelle, il était con. Pourquoi il a pas voulu? Il fallait que je me barre à 8000 mètres. Pray for cinématique. Hashtag point cinématique toujours. On est à 1h25 de in-game time et on est à 1h33 depuis qu'on a démarré en vrai. En vrai de vrai. Comme quoi, hein. Le in-game time, ça carry. Hein. Hashtag action movie. Let's go. Pray for the manivelle. Pour le boss, je sais pas trop comment il va se passer. Mais bon. J'ai un peu peur, mais on va tester. J'ai de grands espoirs. Du coup, attendez, à partir du truc. Donc là, c'est rouge. Non, là c'est rouge. Putain, je suis débile. C'est rouge ça? Ah, c'est un espèce d'orange. Ok, là c'est blanc. Là c'est bleu. Là c'est blanc, là c'est rouge. En vrai, ça c'est rouge. C'est quoi? C'est noir ça? C'est bleu. C'est bleu aussi. Ok, j'ai vérifié. Un sur le côté de Moro et bourrinage de tête. Ouais, c'est la strat que j'avais vu aussi. Normalement, ça marche pas mal. La vérification va être intensive. Hashtag not my cinematic toujours. Got it. Petite save pour se mettre bien. Let's go. Oh putain, j'ai pas pris la bonne, le bon chemin.
Attendez, mais c'est peut-être pas par là. Hein. Si, c'est par là. Et après, c'est à droite, là, non? Ouais, c'est ça. Non, c'est pas par là. J'ai pas pris le bon chemin. Mais c'est par où, déjà? Ah, c'est Chami. Ah, mais oui, mais c'est par en bas, je suis débile. Pas du tout par là. Par là. Hashtag sashimi. Yo! Reviens, on va se fight. Pas le temps. Allez, petit sashimi là. Let's go, sashimi. Oh bah non, pas déjà. Non, on le touche pas. C'est énorme. Je suis pas sur le côté là, je suis devant. Je le touche pas, c'est énorme. C'est bon. En train de bougouiller. Ok, il nous fait sa spéciale. On est bien en vie. On est comment en vie? On est dans le vert. Même au couteau, c'est plus rapide qu'en hardcore avec une arme de badass. Et ça, c'est fort. Bon, tu descends par où? Descends vers le milieu, non? Un petit effort. Par là? Ouais, ça ferait bien par là. Ouais, ça ferait bien. Aïe. J'ai pas l'impression de l'avoir, c'est ça le problème. J'ai l'impression de l'avoir une fois sur deux. C'est énorme. Après c'est pas gênant, mais c'est chiant quoi. Square. Je suis un peu dans le rouge. Je suis pas fan de toi. Quel enfer. En fait, quand t'es un peu sur le côté, ouais, il sait pas quoi faire. Quand t'es trop devant, il charge. C'est la fin. Et là, il sait pas trop. Alors on le boulait un peu hein. Ah, il est dead. Il a même pas de phase 3 et ça ça fait plaisir. Hashtag no phase 3. Quel plaisir. J'arrive, Heisenberg. J'arrive pour tes petites fesses, t'inquiète. Par là. Elle est où la sortie? Là. Pa-pa-la-la-la-la-la. Allez, petite pause, faut que j'aille faire pipi. Je reviens immédiatement dans
38 secondes et... Alors YouTube, le pipi s'est très bien passé, sache-le. 1 minute 18, ah, ça va. Ça c'est parce que je me suis pas lavé les mains, j'ai gagné du temps. Ok. Déconne, ça va. J'adore l'humour, et j'adore la propreté surtout. J'adore l'humour propre. Comme les gaz à énergie propre. Je sais pas ce que je raconte, putain. Faut que j'arrête de parler. Venez, on tente le concept de stream muet. Ou genre, je ne dis plus rien. Niveau du défi, on est bien après le boss, là? Parfait. Comment se laver les mains au lavabo? Il y a les jeux dans les WC, exactement. C'est ce que je leur dis à chaque fois. Ils me comprennent pas. Personne me comprend. C'est le problème. C'est le problème. Ah, j'ai une question. À la fin du jeu, quand on va jouer Chris, est-ce qu'il faut buter tout le monde au couteau ou est-ce qu'on peut utiliser la frappe tactique, par exemple, contre le gros loup-garou et tout, là? Je pense qu'on est obligé d'utiliser la frappe tactique. Je vois pas comment on pourrait ne pas l'utiliser. Je vais voir dans les speedruns. Mais le speedrun couteau, du coup. Elle s'ouvre la porte, là, des fois. Je me suis fait éclater par le truc. Vous voyez, ma porte, elle s'ouvre pas, là. T'es abusé? Vous voyez que mon jeu est bug? Ou j'ai pas dû faire un truc, c'est obligé. Bon, allez, la forteresse de mort, là. Let's go. Je pense qu'on meurt en boucle. Non, Chris a bien plus d'armure. Ouais, ouais, non, mais Chris, c'est un gros tank. Mais de toute façon, on est obligé à un moment d'utiliser la frappe tactique pour... Oh, putain. Ça passait pas. On est obligé d'utiliser la frappe tactique à un moment parce que voilà, quoi. Pour la péter. Le couteau, il tue pas les licans en général, il esquive et utilise la frappe tactique au château. Ouais, d'accord. Et sur le mob d'après, tu peux utiliser la frappe tactique ou pas? Après le château, là, t'as le gros loup-garou. Dans la grotte. Tu peux utiliser la frappe tactique sur lui ou pas du tout? Vraie question. Pas une cinématique. Tous les mobs continuent de t'aggro derrière. C'est énorme. Pas du tout. T'es obligé de le fumer au couteau, le gros mob derrière. C'est ça que t'es en train de me dire? Quel enfer. Full coutal. Énorme. Ça, quel plaisir ça va être. Oh, la grille qui met 8 ans à s'ouvrir. Ça aussi, quel plaisir. Je suis pas là. Eh ouais, méga sûr. C'est ouvert, là. Ouais, quand même. Philippe Etchebest versus Wild. Eh bah écoute, on fera Philippe Etchebest versus Wild, là. Bon, rien que le boss, là, il va nous casser les gants. Allez, l'usine, elle est longue, aussi. Je pense que c'est le chapitre le plus long avec le château, l'usine. Ça va être assez marrant de voir ça. Pourquoi j'ai récupéré une bombe tuyau, parce que je l'utiliserai jamais. Mais je suis tout cœur avec nous. This must be their den. Elle est pas si longue, mais on s'y perd vite, ouais, il y a beaucoup de trucs à faire. Oh bah génial ça, bravo. Bien vu ça. Ah, je vais mourir. Parce que je suis dans le rouge. Et je me traîne du coup. C'est la mort assurée. Merci à tous. Peut-être pas. On récupère vite. Je me suis refait croquer? Que je suis comme ça ou bien? C'est quoi l'astuce?
Okay, big guy. Laissez-moi rusher là. Oh, c'est un enfer. Personne veut me laisser passer. Et c'est bon. T'as la combi tronçonneuse mitraillette, tu peux tirer. Ouais, ça oui, c'est ok ça. Le boss, t'es obligé. Heisenberg et la fin de Miranda, c'est ce qu'il disait. J'étais obligé. Obligado. Par où, c'est par là? Ça a l'air. On a l'air bien. Bon, le boss relou là. Mais après, il a des patterns nuls, donc c'est ok. On va save. Donc on peut save là. Yes, énorme. Allez, viens, mon petit chat. Quand tu perds la combi contre Heisenberg, c'est full couteau. Ouais, ça, je m'en doutais. Mais pour le coup, elle est pas très longue. Mais en hardcore, elle prenait vraiment pas beaucoup de balles. Je pense que dans le jeu, de manière générale, c'est ok, quoi. Quand tu sautes, go. Ah, d'accord. Vache, qu'est-ce qu'il est bête ce boss. Rappelle tes potes, hein, vas-y, y'a pas de soucis. Hein. Viens. Ah bah non, du coup. Du coup, non. Ouais. Et la tête, ça fait plus de dégâts, je suppose. Ah, il est dead. Trop bien. C'est là qu'on sort, par là, non? Ouais. Trop facile, ce jeu, quoi. Le Boko ? M'en fous de la cinématique. M'en fous de la deuxième cinématique. Le Boko ? Miam. Allez, let's go l'usine, dernière grosse partie du jeu. On va la tracer, c'est cool. Conseille à tous de le faire, hein, c'est très facile. Non, je déconne, faites-le pas, vous perdez du temps comme moi. Sauf si vous aimez les défis cons. Les défis un peu con-con. Faut pas monter, faut aller là. Faut monter ou faut aller là? Non, faut monter. Pour sortir. Let's go! Forger. Il y a des loups. Pas loin de Claudia. Dis Claudia. Alors que les lamas me courent après. La Beneviento, là. Claudia. Save. Ah bah la pierre, ouais. Ouais, mais la pierre, t'as vu, elle était pas déroyée tout à l'heure. Encore. Non. On peut pas passer ça. Énorme. C'est une vision, mec. Ça, ça met 8 ans. Il y aura un délire genre le labyrinthe à faire avant, peut-être. Mais du coup, dans ma partie d'avant, j'avais vraiment tout fait. C'est impossible.
pas très grave. Hein. Mais bon, c'est chiant quoi. J'avais quasi tout récupéré dans le jeu sauf ça quoi. Let's go! Une note qui dit que c'est au cimetière dans une maison. Ah, peut-être. Débile du coup. Mais peut-être. Peut-être, peut-être. Elle est vraiment beau ce jeu quand même. What's going on? Abusé. Abusé. Cette semaine, on va jouer à Biomutant. C'est là qui arrive. On va voir si c'est cool ou pas. Quand on remet la pierre, il y a masse zombies, un ogre à tuer. Ouais, j'ai cru comprendre qu'il y a un mini-boss autour de la tombe. L'enfer sur terre. On sort de fou. Biomutant pour moi c'est Ratchet & Clank Remaster. Ça a l'air d'avoir une petite gueule de Ratchet & Clank. Mais plus action-aventure, un peu ouvert et tout. J'ai très peu regardé du jeu du coup pour pouvoir le découvrir un peu en aveugle. Plonger en aveugle. Donc on va voir ce que ça donne. Par mardi ça je crois. Je me trompe pas, ouais. Don't worry about the kid even. It'll be fine. Ha! It'll be fine. J'arrive dans ton usine de mort, gros. Ah! Ethan Winters. Welcome. Bienvenue, Ethan Hiver. I didn't think you'd make it past Daughter Moreau, but I suppose you survived worse back in Super. America. I like you. I'd like to speak to you about Rose and Miranda. Oh, come on then. Arrive. Don't worry. It's not a trap. C'est pas un trap, tu fous de ma gueule. On sait tous que c'est un gros trap. Pas par là. Là-bas. Let's go le trap. Je manque de choix, j'aurais dû ajouter une autre fois en acceptant. Heisenberg. Bon. Pff. Jamais été des jeux à choix les Resident Evil en vrai. Ça change pas grand chose. Hein. En vrai. C'est pas les choix qui manquent au jeu. Hein. Je pense. En plus, ouais, je sais pas ce qui manque au jeu. Pas grand chose. Par là. Pas une cinématique. Toujours le hashtag pas une cinématique. Encore pas une cinématique. C'est la même en fait, donc j'aurais pu m'en douter quoi. J'étais moins débile. Bon, c'est le moment des ennemis en casque VR, c'est ça là. Dans Resident Evil 3, il y a des choix qui changeaient bien le jeu contre le Nemesis. Dans le premier Resident Evil 3 sur PS1, il y avait des choix. Oui, en pro. En tout cas, il n'y en a plus dans le remake, ouais, ça c'est sûr. Et on avait à la base. Oh, quelle merde. Il y a pas mal de choix, ok. Je ne venais plus. Ça devait pas changer grand chose sur le jeu en vrai. Même à l'époque. Cinématique? Pas une cinématique. Non, mais y a jamais de cinématique dans le jeu? Let's go! Ça a influé sur le convent, battre les musiques, les endroits apparaissaient pour t'emmerder ou parfois les chemins à faire. Ok, c'est des petites variations quand même. C'est des variations qui font plaisir quoi. Mais bon. C'est pas la dinguerie non plus quoi. Pas la dinguerie. La dinguerie qui va arriver par contre là, c'est que. Moi dans l'usine, je me souviens plus exactement où faut aller. Pas savoir où le Nemesis allait apparaître, ça permettait une rejouabilité, ouais, c'est vrai. Très scripté dans le nouveau où ils vont apparaître. Ok, c'est chiant. J'ai détesté ce qui vient de se passer. Perdre du temps pour rien, c'est énorme. Là, c'est par là où on reviendra. Je me souviens plus exactement le chemin, ça va être un enfer.
très peu de souvenirs du Resident Evil 3. J'avais un peu joué, mais je l'avais pas fini. Du coup, pour moi, tout ce que je me souviens de Resident Evil 3, pour moi, ça daterait au remake, quoi. J'hésite à aller fumer tout de suite, parce que sinon, ça va être chiant. Quand on va repasser. Mais dans cette salle, on y revient souvent. Là. Non, il faut mettre le truc, ok. Par là. Ah, l'usine, je m'en souviens pas. Je l'ai tracé la semaine dernière, l'usine, pourtant. Enfin, je l'ai tracé, je l'ai faite, quoi. Ta-da-da. Je crois que c'est derrière lui qu'il y a un truc à récupérer. Yes. Yo. Effectivement. Il y a quelques secrets dans l'usine. Je vais ramasser pas mal de trucs dans l'usine. Enfin, j'ai tout ramassé dans l'usine, je crois. Même certains. Ah merde, c'est vrai, le moule là d'abord. Oh l'enfer. La pièce avec les chevaux qui sert juste pour une vidéo sur le magnétophone. Ouais, j'ai vu ça. Non, tu récupères pas autre chose aussi dans la pièce avec le magnétophone? Il semble qu'il y a autre chose à récupérer. Il n'y a pas le marteau d'Heisenberg ou un truc comme ça. Je sais plus. Je l'ai trouvé le magnétophone la semaine dernière. Globalement, j'ai fouillé toutes les pièces. Je m'étais assuré de ça au moins. Sauf la tombe, j'ai jamais réussi à l'ouvrir. Canon pour Magnum, ouais, c'est ça, il me semblait qu'il y avait un autre objet. C'est derrière cette porte-là, d'ailleurs, je crois. C'est bruit pas mal, hein. Je focus pour éviter les rouages. Mais en vrai, c'est ok. Il y a du bon. Hein. Il se passe du bon, là. C'est la folie. Par là, là, là. Qu'est-ce qu'il y a ouvert, là, déjà? Je me souviens plus. Pas un truc à récupérer ici, je crois. C'est après ça. D'abord, elle est là. Il y a face devant le player au plafond où il y a deux mecs propulsés qui est chiant. Ah oui, c'est vrai ce truc. Ah, faudrait que j'utilise le. Bon, j'ai une mission. Attendez, mais faut faire quoi là déjà? J'ai rien récupéré. On va péter ça. Pose quoi? Ah mais si, mais il y a un truc là, j'avais pas vu qu'on pouvait aller là, je me déteste. C'est ma faute. C'est vrai que cette phase avec les deux mecs là et le ventilo elle est chiante. Mais on peut la bypass assez vite. On s'en fout. C'est quoi le truc à récupérer? C'est le mall. Ok, Jean-Michel qui pop là. On l'adore. Merci à toi. Très sympa d'être là, merci. Ta-ta-da. Je teste même pas parce que je sais que c'est pas une cinématique. Hashtag not my cinématique toujours. Ça a ouvert ça. Let's go. Oh, il faut aller là déjà. Voilà. Là y'a rien. Hein.
I remember. Oh God, that'd be her children. She locked it away in the village. Okay. Decades of being forced to serve her. Can you even directement monter là, c'est ça? Qu'est-ce qu'il faut récupérer exactement? Je sais qu'il y a des trucs à récupérer, mais je sais plus exactement quoi. Lâche-toi. Ah si, on a fait ça en fait. C'est ok. Les ennemis qui peuvent pas passer les portes, c'est quand même trop bien. Hein. Ne changez jamais ça dans le jeu. You should have never refused me, Ethan. Là-dessus, ce mec, hein. C'est ça. Bon, qu'on se casse. Par là. Attends, t'es pas sur mes côtes, là, pas encore. Là, tu vas être sur mes côtes. J'ai bien fait un peu le tour. What the fuck? On se barre par où? Par là. Ah mais je peux plus courir. C'est pas ma mort ça? Je peux plus courir. Je sais plus. Non c'est bon. Ok, rien à récupérer là. Bon, très bien. On va juste appeler au cas où, même si on n'a pas besoin en vrai. On pourrait faire une save, mais ça fait perdre du temps. Comme on meurt pas, on n'a pas besoin. Perdre de temps, nous. Nous, ça nous dégoûte. On arrive bientôt au boss. Il va être chiant le boss au couteau là. Le ventilo, non? Ventiloman. Il va être un peu chiant, je pense. On y est presque. Oh, il faut aller par là. Nul le boss, je l'ai fait au couteau perso, je manquais de balles et je le trouvais simple. Non mais le boss, c'est pas le plus dur. C'est juste que bon, il se retourne vite quoi. Et comme on est en facile, il faudra pas lui mettre énormément de coups de couteau. Donc ça fait plaise. Voyez où ce moule de mort là? De toute façon, on doit... Ah oui, c'est vrai, ok. Cette phase là. Yes. J'arriverai pas à l'avoir d'ici le dernier. Oui, d'accord. Toujours. Bien sûr. Bien sûr. Faut juste pas taper un ennemi avec le flingue en fait. Another one by the dust. Il est où? Il m'en manque un et c'est le dernier qui est tout à gauche là-bas. Chiant. Hein. Pour les baits, certainement. Probablement les baits à mort. J'espère qu'ils ont été bait. C'est ce qu'on appelle dans le milieu extrêmement chiant. Voilà. Oh non. Je suis mort. Et non. Échelle. Haha. Bande de losers.
Toujours bien au niveau du défi. Je crois qu'on est toujours bien. Oh les losers quoi. Let's go, par là. Y'a rien à gauche, à droite. Y'a où le moule? Voilà. Oh, il est sur le chemin, je crois. Moule de mort. Ah oui, il y a ça aussi, c'est vrai. On a plusieurs coups. L'enfer. Hashtag not my cinématique toujours. Oh, mais ça se passe bien. Hein. Let's jump. On peut pas sauter? On peut pas sauter? Non, faut passer par là à droite, c'est vrai. Ce n'est plus qu'à être longue cette séquence. C'est marrant de tenter. Au couteau ce ventilo. Mec, c'est vrai. Je viens d'y penser. On aurait pu tenter. Venez, je meurs et on retente. On fait ça. Couteau là. Let's go. Il est toujours pas là le moule? Il est où ce moule de mort? Oh, il est. Soon, she'll start her ceremony with your rose. If that happens, it's all over. For your kid. And for the whole village. Donc je save avant d'aller faire le moule parce que y a beaucoup trop d'ennemis chiants sur le chemin de pour aller faire le moule. Enfin sur le chemin pour revenir du moule. Elle est là le moule, c'est bon. Poor Papa. You're the only one who doesn't see your kid's power. Ok. Rose, I'd like to see you try. Très bien, on a fait une usine quasiment. Et après, bon bah dernier rush, ça va le faire. Parfait. Le poids de la plante, vous êtes fous. Combien une game time? 1h58. Je pense que en moins de 2h30, une game time c'est fini. 2h20 je dirais. Chris, ça va aller très vite et après, bon, il y a que le combat avec Ethan. Ça va aller très vite. I've expanded my services. Please, come take a look. Alors j'en ai rien à foutre de ce que tu vends. J'en ai rien à faire, le duc. Et du coup, on sait pas trop qui c'est, lui, le duc. Est-ce qu'on va le revoir? Il a l'air d'être un peu surnaturel. Il a l'air d'avoir bouffé trop de champi, lui aussi, à mon avis. Il va venir du coin, il a dû bouffer du champi. Ça se voit à son physique aussi, qu'il a dû bouffer des champi. Et pas que du champi, si vous voulez, à mon avis. C'est sombre, sans déconner. Tu crois? Prochain héros de Rinoff, le duc. Franchement, ce serait mon rêve. Hein. Avec son petit chariot, là. Je voulais voir si on pouvait les tuer rapidement. Moi, je sais que oui, maintenant. Énorme. Oh d'accord, on n'a pas le droit. Ça c'est chiant par contre. Un marchand comme dans le cas de Def. Non, dans la logique il a des tannes, on veut tuer Miranda, là ouais. Le marchand de Ricat, il était quand même marrant. J'aime bien le marchand de Resident Evil 4, il sert à rien mais... Il a toujours les meilleures phrases en espagnol quoi. Abuela! Rien que dans le remake de Resident Evil 4, j'ai envie de voir s'ils ont gardé les mêmes samples de voix. Ça me ferait énormément plaisir. Je pense qu'il faut le bait là, lui.
pense que je passe pas. Je le bait pas. Quoi que si, peut-être. La réponse est non. Je vais tuer Miranda, elle est moins forte pour le moment. Je vais prendre les restes du champi à la fin, peut-être. Je sais pas trop. J'ai pas trop réfléchi au lore de Resident Evil, je vais pas te mentir. Ah, il m'a tué là. S'il voulait s'approprier Rose, il l'aurait fait avant. Parce que là, elle est grande quand même à la fin. Tu te reprends d'où ? On reprend de là ? Ah, mais au secours ! Comment je peux passer ce couloir de manière safe ? Je sais pas, hein, en vrai. Parce que là, les deux me fument, hein. Lui, le plus simple, c'est vraiment de le buter, on est d'accord. Ah, le deuxième en bas, on va le buter aussi. En post-crédit, on voit que Rose est encore immature. Peut-être que son pouvoir doit être éveillé, genre. Non, mais elle a les pouvoirs apparemment, non, même dans la scène post-credit. C'est pour ça qu'il la garde, c'est parce qu'elle est capable de plein de trucs. Donc bon. Putain, mais vraiment. Quel jeu de mort. Quel jeu de mort. On verra ce qu'il nous raconte dans Resident Evil 9 dans 4-5 ans, quoi. La base. Ils vont peut-être faire des DLC du 8, déjà. Bon, on va encore remourir, là, ou pas? Ça va être chiant. J'aimerais bien ne pas remourir. Et surtout l'air d'avoir un lien avec la mort. On dirait Dumbledore à la fin de Harry Potter, un petit peu, ouais. Il va nous casser les couilles. Allez, viens là. Passe un peu. Là. Au lieu de faire genre le mec mystérieux là. Voilà. Ça, je préfère. On va l'attendre là. On va perdre un peu de temps. On va l'attendre là. Le problème, c'est qu'il y a le deuxième après. Le deuxième, je sais pas comment l'éviter. Je sais pas comment ils font dans la strat speedrun. Bon, il arrive ou pas? Il arrive. Allez, go. A plus. On a un vrai problème avec lui par contre là, celui qui est là. Parce que lui je peux vraiment pas l'éviter quoi. Lui on a un vrai souci. Hein. Protéger avec elle. Hein. Peut-être que je me protège pour prendre un coup genre là dans le coin et je le contourne. Let's go. Même sans me protéger, ça l'aurait fait, je peux me prendre un coup. En fait, me protéger, je suis tellement proche de la mort que me protéger ou pas me protéger, ça revient au même. Mais let's go. Let's go bébé. Tac. B1. Allez le boss. Défi. C'est bien de vérifier un petit coup de défi de temps en temps. Pour me protéger, je serais tombé à terre. Ah oui, c'est vrai, remarque. T'as raison. J'aurais peut-être vacillé.
pense jamais à me protéger, même en mode hardcore, j'ai dû le faire une ou deux fois au début, et puis après... Quand tu te fais douger, je considère que... Putain, quand tu te fais toucher, je considère que c'est déjà trop tard. C'est que t'as été nul. Heisenberg. Allez, let's go le boss, là. Qu'on en finisse. J'en peux plus de ce boss. You really are a tough one. But I'm tired, chit-chat. Ah, c'est déjà là. Attends, on a de la chance, il reste 8 ans. C'est moins de la chance par contre. Je sais pas trop comment il veut foncer. Oh non, je vais mourir. Je suis mort, je suis dans un petit couloir. Ah, je suis pas encore mort. Énorme. Au secours. Bon allez mec, charge. Toujours le meilleur boss, hein. Y'a pas à dire. Il est dead ? Je crois qu'il est dead. Now stay down. Alors, il est quand même sympa, hein. Et je le prends pour la farm. Papapapapa. Faut aller où ? Prendre le cigare. Let's go. Faut aller où ? Par là. Par là. Quel jeu de mort. Et on en revient à où on a démarré la session du coup. Il est pas là, papy Heisenberg ? C'est par où qu'il faut aller ? Gauche. C'est lui. Ok, la session. La session-ci. La session-ci. Au square, c'est par où ? C'est par là. Chris, t'es où ? On pouvait déjà passer. Sauvegarde. On a combien une game time? 2h07. Parfait. Hello Echo. Horreur. On a quasi fini le jeu. Refini le jeu. T'es triste? Pourquoi t'es triste? Qu'est-ce qui t'arrive? Le grand pli est pas rediffusé? Pourquoi il est pas rediffusé? C'est bizarre ça. Pourquoi est-ce que le grand prix serait pas rediffusé? Alors qu'il avait dit qu'il serait visible gratuitement. Ah, il est rediffusé, mais genre sur des chaînes payantes, c'est ça, non? Un truc du genre? Ouais, ok, d'accord.
This will be my warning before I kill the bitch. Let's settle this. Matter of the men. Two coats will be another addition to my armor. What's wrong, Ethan? So this is the power of all the love. I need cooler. Coward, in the face of my steel glory. Guess I do have to thank that bitch for this. Il est un peu en train de l'éclater. Hein. Désolé pour toi et quoi du coup. Hein. Allez, il va faire son super attaque. Moment Coutelot. Le moment Coutelot versus lui. Quel plaisir. Je sais pas du tout ce qu'il faut faire pour le battre de manière efficace. Donc je vais probablement mourir, ça va être énorme. J'ai pas regardé les strats, je vais mourir. Non. Zéro fun. Et je le bourrine. On voit ce qui se passe. Ah mais il y a que la tête qu'on peut avoir, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'on peut avoir que la tête dans, avec ce mob. En fait, faut esquiver soit à droite, soit à gauche, ça va, c'est facile. C'est mort. L'air d'être ok. Ok, 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 ouais. Fin de cinématique. Alors que ça dure 8 ans. Pourquoi pas. Super, change rien gros. C'est un plaisir. Toujours pas une cinématique. Mec, c'est juste un plaisir en fait ce qui se passe. Allô ? Cinématique ! Ok, dernier passage avec Chris, boss de fin et c'est la fin du jeu. Share your screen, and I'll go over the situation. Been a while since we fought together, Captain. D'où ils nous mettent pas les le couteau directement? C'est un fou, lui. When was it last? The desert? Ouais, toujours bien au niveau du défi. Parfait. Doing nothing but recon's gotten me out of shape. But thanks to you. On va les rejoindre Alpha Cast. Couldn't quite believe it when I heard she turned herself into Mia, though. Taking 5 shots to the head's nothing to sneeze at either. Spooky. Spooky. Sp-
spooky. Everyone watch for hostile bioweapons. Roger. Roger. Il a appelé Roger. Ouais, vous m'avez saoulé, je trace. Je sais pas dans quelle mesure on peut vraiment tous barrer. Putain. Peut-être chiant quand même. Hein. BSAA craft spotted. Two guards. Ça va être méga chiant. Don't get cocky. What the hell is that thing? Ah, on est ici dans le jeu. Je me souvenais plus quand on était ici. That's probably where Miranda is. Let's go. Run, run face au gros loup. Vite. Par là. Oh, mais enfin. Mais bon. L'enfer. L'enfer de la séquence. Laissez-moi passer. J'ai des trucs à faire. Merde, ça va passer. Tu vois bien au niveau du défi. Tant qu'on est là, on regarde. Parfait. Damn, this is big. All right, Lobo. Marking the target. Roger that, boss. Ah, ça met toujours autant de temps de toute façon, qu'on soit dans ce mode là ou pas. Énorme ça. Juste une minute, j'ai pas le temps de faire une minute en fait, les gars. Juste, on a pas le temps en fait. Aïe! Ça fait trop mal! Arrêtez! J'ai pas le temps, les gars, laissez-moi tranquille. Putain. À une seconde près, quoi. J'ai pas le temps, mais gros. Je peux plus. J'ai pas le temps, laissez-moi passer. Merci. C'est bon. Watch your back, boys. Venez m'attraper. Venez m'attraper. Vous m'attraperez jamais. Ah si, tu m'as eu. Et tu m'as attrapé. J'avoue, tu m'as eu. Bien joué à toi. Let's go. Et du coup ça c'est ok. Putain, le jeu est rame à mort là. Ça c'est ok. Parfait. Ok, boss nul au couteau. Parce que Canard il a dit que c'était au couteau. Et si c'est pas au couteau, eh ben on est dans la merde. Eh bien. Guarding the Mega Mycene, huh? Aïe. Mec, y a ton arme là. On lui fait zéro dégâts, non? C'est l'info sûre, ça, le couteau. Tu meurs bien? Ok. Ah, je te fais confiance, canard.
En tout cas, c'est bien parce qu'on peut bien la voir là, ça fait plaisir. En fait, ça fait pas de... Ah si, des fois, il y a des bruits de... Non mais je veux pas de ton aide, gros. Ah, je pense qu'il va mourir. Ça a l'air bien, t'inquiète. Putain, vraiment, Chris, c'est un tank, hein. Arrête de bouger. Je vois pas que j'arrive pas à t'avoir. Des endroits où on peut le toucher, donc ça doit être ok. Des endroits où on peut pas le toucher, c'est casse-couille. Ils disent un astuce de le taper dans le genou. Ouais, le genou et le bras, c'est les deux seuls endroits où il y a pas de protection. J'essaie de le taper au niveau de la bouche aussi, des fois, quand il est à terre, ça a l'air de marcher. Mais en vrai, le genou et le bras, c'est le truc qui a l'air le mieux. Arrête. C'est pas gentil. Il est pas gentil en fait. Juste il est pas gentil en fait. Bon gros, faire un effort. Hein. Meurs à un moment. Il est mort je crois, non? Le problème c'est que de l'avoir dans sa tête vraiment, faut l'avoir là quoi. C'est un enfer. Des fois tu l'as, des fois tu l'as pas. Hein. Là on est pas mal, on a un bon angle pour l'avoir au retour. Et c'est pareil, Miranda, comment on va faire au couteau quand elle vole? Ça c'est une question que je me suis pas posée. En tout cas, c'est du plaisir. Aïe. Arrête. Ouais, Miranda, quand elle vole, c'est chiant. Comment on va faire ? Tous ces coups dans la tête qui servent à rien. Bon, ton genou là, il est en feu, non? Ce serait trop marrant de pouvoir afficher la barre de vie des ennemis pour voir à combien elle est et comment elle descend. En tout cas, c'est le plaisir, hein. Sachez-le. Imaginez, on fait ça en mode village des ombres. Il est mort là, non? Ah, il est pas mort. Il a fait un petit bruit de grognement. Je m'étais dit, c'est bon. Bon gros, faut y penser quand même. Hein. La mort là, en vrai. Je crois qu'il est dead. Ah non, c'est juste qu'il m'a... Il m'a chlassé. Imaginez, je meurs là. Il faut tout se refaire. Dans le rouge hein, quand même là. Je vais commencer à bien mourir.
commencer à prendre méga cher pour rien. Bon allez, meurs en vrai. En vrai, on a bien rigolé, si tu peux mourir maintenant, c'est ok. En vrai, c'est le moment de mourir là, non? C'est si long. Quel enfer. Un enfer. Je sais même pas si on le touche vraiment à la tête quand je fais ça là, parce que des fois on entend un bruit de... D'accord. Il change un peu d'attaque, c'est bien, ça fait plaisir. Pour moi, tu fais zéro dommage à la tête. Ouais, mais... Dans le guide, il met 12 minutes à le tuer, sérieux? Bah écoutez, prenez un petit café, hein. On est là, hein. Elle est dead. On n'a pas mis 12 minutes, hein, je pense. On a mis beaucoup moins de 12 minutes, à mon avis. Par où qu'on sort? Par là. Je pense qu'on n'a pas mis 12 minutes, hein. Entre nous. Miranda était la fake Mia, où est la vraie? Je doute qu'elle ait vu plus further use pour elle. Je ne comprends rien de ça. Bah, sinon, il faudra apprendre à se protéger. Non, mais ça, c'est ok. Ce qui m'a bien plu, c'est comment je la touche dans sa phase 3 où elle fait que voler là. Ça m'inquiète plus que le reste. Keep your distance. Do not move until I give the order. Do not move. Pourquoi on est en mode facile, hein? Vous inquiétez pas, on va le faire. Même si on va peut-être mourir une fois, mais on va le faire. Ça le vole, tu la touches plus rarement, mais ça mâche parfois. D'accord, super. Quel plaisir. Bon, le lore, on l'a vu tout à l'heure. Hein. Merci à tous. Libérons Mia. Elle danse, le Mia. Allez, boss de fin. Qu'on en finisse. Ah non, il y a toutes les séquences de flashback Evelyn. C'est vrai. Ok, c'est bon, on peut la passer. Je vois bien. Je pense du coup qu'on la passe. J'ai mon couteau, tout va bien. On est d'accord, le défi est toujours valide. On est à 2h26 in-game. Vous voyez, on est large, hein, ouais. Pour le finir en moins de 3h. Il doit sauvegarder là. Là, on aurait pu parler au duc une dernière fois, en fait. Je pense que le boss d'avant était plus dur que Miranda, en vrai. Bon, il va falloir voler, il va falloir bouger un peu, là. Ta-ta-la-ta-ta. Par contre, à la fin de Miranda, bah, y a le pistolet, il faut lui tirer dessus. T'as pas le choix. Ça
Le job on perd des grosses boules, faut tirer dedans et pas sur Miranda. Ah ok. J'ai eu de la chance tout à l'heure là. Ok, let's go. Elle est déjà en phase 2. Ouais, ça va vite hein. Elle est où? Ouais, ça va vite hein. Bon. How can you deny? Why the hell can't you realize Rose is my goddamn kid, not yours? Ah, faut la toucher hein. Elle est haute un peu. OK, phase 3. Pas une balle sur elle, après ça tu reçois sur le couteau. Quoi? Pas une balle sur elle. Non, on peut pas la toucher, c'est chiant. Viens là. Elle est où? Elle est là. Ah, des fois, elle se pose un peu à terre. Ok. Je crois que je la touche, là, des fois. Ouais, si, ça fait le bruit que je la touche, des fois. C'est elle fait. Elle est où? Elle est où? Elle est là. Oh, t'es relou, hein. Arrête de voler! Arrête de voler, là! Chiant. Je suis déjà au bord de la mort. Énorme. Je suis au bord de l'apoplexie, déjà. Arrête! Personne t'aime. Personne t'aimait au lycée, déjà. Je vais mourir, hein. On est dead ou pas? Ah, je suis dead. Je sais pas si je la touche. Moi je l'ai pas touché une seule fois. Hein. Là je l'ai touché. Parce que là elle était plus basse. Ah si, faut vraiment être dessous. Ok, c'est bon, phase dernière phase. C'est tes arbres. Là c'est de la merde, non? Ah non! Il y a la visée automatique, elle m'a bait. Je l'ai pas touché? Ah si, je l'ai touché. La visée automatique, elle m'a bait. Ok, c'est bon. Dans cette phase-là, je suppose qu'il faut toucher la boule pour pas te faire toucher. Et du coup, ça compte pas comme un truc. Attendez, il faut qu'on fasse deux trucs. Tac, option. Paramètres de jeu, aide à la visée, non. Oui, désactive la visée, c'est ce que je fais. Bon, phase 1 et 2, c'est... C'est au revoir. Voilà. Merci à toi. Papa la papa. T'as la visée automatique qui nous abate, c'est quoi? Elle passe en phase 3, là, qu'on en finisse. Voilà. Ça c'est trop dur de t'avoir. T'es où? Je te vois même pas, je sais même pas où t'es. Micheline, je sais même pas où t'es. Voilà, t'es là. Faut bien être en dessous. Au secours. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait de sa vie? Qu'est-ce que tu fais? T'es là. Arrête! Arrête de bouger. T'es infernal. T'es trop haute surtout. Qu'est-ce qui se passe? T'es où? Qu'est-ce que tu fais? T'es là. T'es touché. Un coup par un coup quoi. C'est vraiment quand on a de la chance quoi. Oh, j'ai tout pris dans la mouille, c'est énorme. Pas grave. Such vitality. Allez. Prends-toi un coup, s'il te plaît. Ah oui. Ah, oh, c'est bien, ça. J'aime bien quand tu l'as. Elle m'a tué. C'est trop dur.
un truc. C'est bon. C'est un peu chiant. You fulfilled your purpose, Mr. Winters. You disposed of my false children and awakened the glorious Megamasters. Now, please do not worry. Passe en phase 2, s'il te plaît. I assure you I'll provide her with... Les petites boules deviennent jaunes, maintiens-les là. Ouais, non mais je veux bien, mais quand même. Ça fait trop de dégâts. Moi je veux bien me protéger, mais... Des dégâts, quoi. Oh, je l'ai fait directement passer en phase 3 tellement je l'ai tabassé. Pourquoi elle m'a one shot là? Alors qu'elle m'avait jamais touché avant. C'est juste son attaque, non? Pas trop. You fulfilled your purpose, Mr. Winters. You disposed of my false children in the way. Mais là, cette attaque, c'était quoi? J'ai pas compris. Now, please do not worry, little Rose. I assure you, I'll provide her with truth. En fait, si tu la bourrines bien là, elle a pas le temps de faire sa phase. Ouais, elle, on skip la phase 2. Et là, c'est direct phase 3. Ça fait plaisir. Why the hell can't you realize Rose is my goddamn kid, not yours? Ouais, on est toujours en rouge, alors je me suis protégé, hein. Moi, je dis que Canard, c'est un peu un faux chat. Mais c'est sympa hein, d'y avoir pensé, hein. Protéger, mais un peu tard. T'as pas l'air de faire grand chose, la protection. Sans vouloir t'offenser. Là, elle run vers moi. Ah non! Je pensais l'avoir évité. Pour les boules, pas pour les dash. Ouais, mais vous savez. Vous savez quoi. On va y arriver. Sa phase 3 est chiante, après on devrait y arriver. You disposed of my false children and awakened the glorious Megamites. Now, please do not worry, okay. Rose. C'est pas ta phase 2. J'ai l'impression que je l'ai trop loupée, elle va être en phase 2, non? Ouais, elle est un peu en phase 2. Énorme. Putain, mais pourquoi je peux pas la toucher? C'est horrible. On peut vraiment pas la toucher, c'est énorme. Elle va me toucher là. Elle est relou hein. Ok, mieux. Oh, on l'a un peu touché. Je pense que c'est bien de la faire dasher en vrai. Parce qu'elle est un peu plus basse quand elle redescend. Mais impossible de la voir, elle est où? Ouais, c'est bien, t'es en bas. Qu'est-ce qu'elle fait? C'est quoi cette attaque? Elle est où? Elle dash pas là. Elle fait quoi? Elle est où? Ok, envoie tes boules. On prend aussi cher que si je m'étais pas protégé, canard. Avec les boules. Je vais rester sur le fait que j'ai le droit à un hit. On doit dasher là. Elle dash moyen. Elle fait des boules. Et déjà sans vie aussi. Ouais, mais bien sûr, ça y est, ça essaie de trouver des excuses parce que ça a dit des infos de chat. Alors que les boules, on peut les éviter en courant, quoi. Ce qu'on fait depuis 50 ans. Elle est où? Descends.
C'est bon. Ok. Phase 4. Et du coup, là, j'ai le droit de tirer dans sa boule ou pas? Mode photo, non? Défi. M'en fous. Ah oui, dans la boule, j'ai le droit. Pas elle. Pas elle, mais dans la boule, j'ai le droit. Tata, je suis sur un tuto où le mec bourré, la bourrine pour le speedrun normal, va pas courir, mais taper dès qu'il peut. Ouais, non, mais ouais, mais là, je peux pas, là. Mais le speedrun, peut-être qu'il utilise les soins aussi pour se remettre bien. Moi, je peux pas, hein. Mais on peut pas faire ça, hein. On n'a pas le droit, hein. Now, Mr. Winters, I think it's time you left things in my house. Rest now. The hell I will. Die, 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 die. J'ai pas le temps de la taper dans cette phase. Faut vraiment courir. Nope, zéro soin. Take back my daughter. Bah écoutez, il est meilleur, hein, tout simplement. Qu'est-ce que je veux que je vous dise? Moi, je suis pas bon, hein. If I combine Rose with a Megamycete, my daughter will be made manifest at last! I've waited a century, all for this day! Est-ce que la bourrinette est une bonne manière de faire le jeu? Non. La réponse est non. After all, everyone dies. Est-ce que quand elle est vraiment à terre qu'on peut faire un truc de fou? S'il te plaît, régène. Ok, là on va run. Boule jaune. Boule jaune run. Quoi? L'enfer. L'enfer de la personne. Régène. Régène, je t'en supplie. J'en ai marre. J'ai pas le droit de me soigner même une seule fois. Quoi le défi de pas se soigner? Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. En utilisant 4 objets de soins au maximum, c'est ça. Je peux me soigner une fois, je crois, du coup. En vrai. Techniquement, j'ai le droit. De toute façon, j'ai des objets de soins. J'en ai pas un seul. Problème réglé. Enlever ces 3 boules jaunes, tu peux pas tirer dessus. Si, mais ça changera rien. Ça lui fait pas de dégâts en fait. Juste, ça cancel l'attaque. Non, je peux pas tirer dessus. Ça va trop vite. Faut les éviter. Enfin, ça va plus vite de les éviter que de tirer dessus, quoi. Do not worry for little Rose. I assure you I'll provide her with truth. Putain, j'ai loupé. Pas sûr d'avoir loupé, remarque. You understand? J'ai loupé. Oh, ça va, j'ai pas trop loupé. How can you deny me? Également, t'es pas tout fait sans soin, ce serait bête de commencer là. Oui, non, mais j'ai tout fait sans soin, je vais pas le faire. Mais c'est juste pour vérifier, quoi. Elle est où? Allez là avec ses bouboules. Le problème c'est la fin quoi, ça va être compliqué. On en a pour 8 heures, juste la fin. Ouais, c'est ok. Putain, c'est chiant. Quoi? Mais au secours. Qu'est-ce qu'elle est pas fun? Ouais, là je vais mourir. Vite, c'est bon. Voilà. Allez. Hold still. Okay.
Là, elle descend bien, mais c'est Ken, quoi, c'est le problème. C'est bon. Vite. Il faut vraiment la bourriner là. Ok. Là, on n'a pas le choix, on peut pas la bourriner. Checkage Vitov que j'ai bien pas touché. C'est bon. Elle prend masse de dégâts par sa propre boule, ouais, c'est ça. Je me dis que la boule, peut-être quand elle l'a fait au milieu là, faudrait essayer de la voir aussi. Elle se cache par les arbres. On peut peut-être essayer de la voir, non? Je sais pas si ça marche, mais on va essayer. Bon, t'arrêtes avec ton film d'auteur là. Moi, je lui ai mis un coup. Ok. If I combine Rose with a Megamycete, my daughter will be made manifest at last. I've waited a century. Ça se trouve, ça m'a fait foirer parce que j'ai tiré sur l'arbre. Non, c'est bon. Juste, c'est de la merde, on peut pas, quoi. Ok. Attendre qu'elle attaque. Ok. Elle a changé de forme, c'est chiant. Sauf si elle est par terre. Ok, viens. Ok, c'est les boules. Shoot. Parfait. Vol. Allez, de retour comme ça. Énorme. Pas du tout. Va falloir trouver des moments pour la shooter, hein. Pas mal là, on a même pu lui mettre un ou deux coups. On pourrait la voir, ouais. T'as encore les boules. Je vais pas être du bon côté. Pas grave. Ça marche quand même. Oh l'enfer! Je vais mourir. Non, ça va. Bon, c'est la fin. C'est la fin, j'espère. C'est bon, je peux courir. On va prendre masse de dégâts. En vrai, le couteau, elle prend masse de dégâts. Oh oui, elle reste comme ça. Rien à foutre, reste comme ça. On va peut-être la jouer safe et se barrer maintenant. Oui. Qu'est-ce qu'elle veut ? Elle est où ? Elle est là. Cease this foolishness. You still... Je sais pas si je l'ai touché ou pas. Ça va le mode photo pendant la cinématique ? Ouais, on essaiera de faire ça pendant la cinématique de fin, voir si on voit quelque chose. On essaiera de faire ça. Elle est plus galère que ce que je pensais quand même. Au final. Ah oui, vite. Elle est dead. A peur d'être dead. Chiant. Oh non, allez, on est là. Je vais pas pouvoir lui échapper. Ok.
quand j'y récup. Heureusement que je suis trop fort, les gars, hein, parce que sinon... Putain, il est long, la dernière phase, là. Mal était relou tout à l'heure, déjà, donc ça m'étonne pas. Ok. Pourquoi tu fais ça? Oh non. C'est la fin. Merci à tous d'avoir joué. Bon, on a survécu un coup. Normalement, c'est assez pour que je récupère ma stamina. Elle est où, là? C'est la fin. Faut pas se louper. Donc là, on est d'accord, faut tirer sur la boule. Ok. On est d'accord, on tire sur la bouboule. De toute façon, il n'y a pas le choix de faire quoi d'autre, n'importe quoi d'autre. Hein. Oui. Et la phase finale du combat contre Miranda ne compte pas. Donc on s'en fout de toute façon. To ensure I never see your face. Tire sur la bouboule. I will feed you to the gods. Every single... J'ai fumé là, non? Et là, faut l'éclater. On n'a pas le choix. Quand plus de bouboule et quelle griffe, couteau? C'est sérieux, ça? Non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Non, non, phase finale, c'est bon. Ça a mis phase finale, c'est bon. Tout va bien, on a fini. Oh l'enfer! Je sais pas trop ce que vous voulez qu'on fasse comme effet pendant la dernière phase, mais on va tester, hein. Pour laisser cinématique. Bon, au final, on a réussi. Trop facile. You were being silly. Je pense que la phase finale contre Miranda, ça devait être inclure même les griffes et tout. Sinon, c'est trop dur en vrai. Maintenant, la même en Village des Ombres, c'est non. Je suis pas sûr qu'on revoie du Resident Evil Village sur cette chaîne maintenant. C'était un petit dernier truc là pour finir, c'était marrant. Histoire de finir le jeu vite. Il y avait un petit truc marrant quoi. J'espère que t'as apprécié cette VOD de 3h YouTube. 3h04 pour être précis maintenant. C'est bientôt la fin. Sorry I missed last week. I have a lot of tests coming up. You know how it is. Aïe! Talk of the goddamn devil. 3h04, triple speedrun. Non, c'est ok. C'était moins de 3h in-game time. On a mis 2h30, je pense, en in-game time, en vrai. C'est ok. Yeah, I found her. Where else? Je vois bien. En plus, on a recommencé des mots de passage, donc ça fait recommencer. Arrête de reset le timer. Evelyn. Toujours la moins bonne vanne du monde. Ouais, j'allais réussir à s'échapper et à prendre le bus. Donc c'est vraiment des tocards. Et ouais, alors le mode photo, c'est quand on verra le mec marcher là sur la route. You're a lot like him, you know. C'est qui ce type, Alpha Cas? I know. Personne sur la route là encore. C'est marrant parce que là il y a personne.
Là, d'un seul coup, il y a quelqu'un qui apparaît. C'est marrant. Et là, il y a des gens qui vont me dire qu'ils ont reconnu Ethan. Ils ont vu ça. La voiture s'arrête, mode photo. Et qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse dans le mode photo pour voir un truc? Étendu, flou. Flou. On peut pas zoomer ni rien, on peut rien faire. Hein. Profondeur de champ, on peut pas. On peut pas dans les cinématiques. On peut rien faire. Hein. Méga bullshit, méga info chat. Merci à tous. Vous verrez rien de plus. Bisous YouTube, j'espère que t'as aimé ce speedrun de 3 heures quand même. Des bisous.